Mon prochain invité, ça fait un bout de temps qu'on ne vous a pas reçu chez nous. Depuis l'année dernière, Michel. Ouais. Vos visites se font un peu rares un peu. C'est Christian Plusnikov, qui est directeur d'Extra Formation et du Développement International. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue chez nous. C'est toujours un plaisir de venir, Michel. Oui. Le temps des fêtes, comment ça s'est passé? Assez intensif, comme d'habitude, mais très agréable. Bon. Et là, vous reprenez Collier 2019. Avant de parler de développement international puis d'extra-formation, quels sont vos plans pour 2019? Vous voyez ça comment, 2019, M. Plusnikov? Ben déjà, je voudrais souligner que 2018-2019, c'est l'année que l'on fête le 50e du Cégep de l'Avocatière. C'est vrai. Et on souligne aussi le 25e anniversaire du Centre d'études collégiales de Montmagny. C'est une année qui est très importante, une année charnière pour nous. En plus, on est en train de mettre en place le plan stratégique 2018-2023 pour le Cégep et ces deux centres de formation, avec trois termes très forts: oser, s'engager, exceller. Donc ça vous montre un peu quelle ligne d'action on met en place, et on est en train donc de vouloir être toujours des leaders dans différents domaines, dont l'international, dont le numérique, dont l'enseignement. Donc une grosse année pour vous? Une grosse année, puis des grandes visions d'implantation dans l'excellence et dans le développement donc de la formation, aussi bien à distance que la formation en entreprise. Et je pense que mes deux conseillères pédagogiques qui vont venir après, Mme José Gagnon et Mireille Laflamme, pourront mieux vous cibler plus en détail le côté opérationnel. Juste peut-être pour terminer sur le 50e du Cégep de l'Apocatière et le 25e du Centre d'études collégiales, ça fait déjà 25 ans. Je me souviens encore, c'était hier, lorsqu'on annonçait, on a tellement travaillé pour avoir cette antenne-là chez nous, puis il me semble que c'était hier. Et tout a démarré avec la formation continue, rappelez-vous-en, moi j'étais pas là à cette époque-là, mais c'est d'abord été un centre de formation aux entreprises continue, et de là, vu la demande donc du milieu de la région de Montmagny, il y a le centre qui a été créé. Et comment ça va, le Centre d'études collégiales de Montmagny et le Cégep de l'Apocatière? Ça va très, très bien. Même, je pense, il y a une synergie qui est encore plus grande qu'à l'origine. Et je ne sais pas si vous le savez aussi, on a un deuxième centre d'études collégiales qui est dans le Témiscouata, que l'on partage avec le Cégep de Rivière-du-Loup. Donc, ce qui fait que le territoire d'action du Cégep de l'Apocatière est vraiment très, très grand. Je crois même que c'est un des plus grands territoires qu'on peut attribuer au réseau collégial. Et la clientèle est toujours grandissante? La clientèle est grandissante et le domaine d'excellence aussi. Oui. Tout ce qu'on offre maintenant comme formation. Pour les jeunes que même international, maintenant vous voyez, le programme de GTS, gestion technique de scène, est de plus en plus populaire autant au niveau provincial Québec qu'au niveau international. À titre d'exemple, on a reçu presque une dizaine d'étudiants qui venaient de France pour suivre cette formation qui est quand même spécifique et qui est unique au monde. OK, qui est de France? Oui. Ah oui. Est-ce que c'est, quand on parle de développement international, est-ce que c'est un peu l'objectif ou... Parlez-moi, parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on développe l'international. À quel niveau? Comment... On développe même plus que ça. Notre vision, nous, c'est l'internationalisation de l'éducation. C'est-à-dire qu'un étudiant qui vient de France puisse venir étudier ici et que sa formation soit reconnue aussi bien en France qu'ici au Québec. Donc, on a mis en place donc une structure d'internationalisation donc du cégep. Et quand on dit cégep, c'est la structure du cégep incluant ces deux centres d'études collégiales, autant pour recevoir des étudiants étrangers que pour permettre à nos enseignants d'avoir des contacts privilégiés avec d'autres enseignants à travers le monde et d'exporter notre expertise dans des domaines bien, bien ciblés. Donc, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a beaucoup de demandes? Ça fonctionne très, très bien. Ça fonctionne tellement bien qu'on a reçu presque 70 étudiants à l'automne dernier. Une trentaine sont arrivés en début janvier, pour étudier au Cégep et à Montmagny. Et on fait des phases de recrutement. D'ailleurs, j'ai une de mes conseillères qui est actuellement en France, dans un salon d'éducation, pour faire de la promotion et faire venir des étudiants français ici. Soit dans le cadre de double diplomation, ils ont déjà un diplôme en France, et ils viennent faire une année seulement ici au Québec pour un DEC, ou venir faire carrément une formation complète ici, technique, au Québec. Est-ce que ces gens-là demeurent ici ou s'ils retournent chez eux? Une grande partie retourne chez eux parce qu'ils ont quand même envie de repartir auprès de leurs premiers amours, leurs premières origines. Mais il y a quelques-uns qui restent. On a des exemples d'un enseignant qui est chez nous et qui était originairement de l'île de la Réunion, qui était mieux étudié, qui est resté comme enseignant. Puis maintenant, il est vraiment implanté ici avec sa famille. C'est un vrai Québécois. Il a un meilleur accent que moi.
OK. Mais dites-moi, c'est quoi l'objectif que de recevoir des Français aussi que nous, on... Ben, vous voyez que la population du Québec est vieillissante et la population diminue. Donc, même les priorités du gouvernement, c'était l'immigration. Et l'éducation, je pense, c'est une première phase pour des immigrants volontaires de venir voir ici, faire un essai, de s'intégrer dans la culture et l'éducation et l'industrie québécoise, et d'après de faire le pas, de demander à avoir un visa d'immigrant. L'éducation est une porte d'entrée, moi, je pense, qui est très facilitatrice, pardon, oui. Vous parlez de France. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont touchés par ça? On en a aussi bien des pays, donc, surtout de francophones, c'est sûr, parce qu'on enseigne en français, donc qui viennent de la partie du Maghreb, donc Tunisie, Maroc, Afrique centrale, Sénégal, Cameroun. Donc vous voyez, c'est un peu donc, très, très diversifié. Hein. Maintenant qu'Internet, la promotion du cégep se fait naturellement. C'est une réalité, je pense, de notre vie maintenant. On peut parler facilement... aux gens qui, peu importe où ils sont sur la planète maintenant, donc c'est une facilité, c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité et on voit que le cégep locataire a une très belle expertise qui est reconnue à travers le monde. La preuve, on a exporté un savoir-faire en l'importation du numérique dans l'enseignement avec l'université en Tunisie et on a formé donc 43 enseignants à cette approche par compétence et on a reçu au mois de décembre dernier 3 futurs conseillers pédagogiques qu'on a formés à cette nouvelle formation dans l'approche par compétence et dans l'intégration du numérique dans l'enseignement. Donc vous voyez, je pense qu'on est vraiment devenu une notoriété au niveau de la formation à distance, au niveau international. Est-ce que, permettez-moi de vous poser la question, mais est-ce qu'il y a d'autres cégeps qui font ça? Ou si on est unique en notre genre? Non, on n'est pas unique. De plus en plus, même des fois, on est en arrière par rapport à d'autres cégeps. Okay. Matane, par exemple, reçoit presque 130 étudiants par année dans ses locaux. Nous, on en reçoit un petit peu moins, 70, mais on va arriver pareil, on est en train de progresser. OK, mais on développe, ça fait combien de temps qu'on fait ça? J'ai eu le mandat, moi, de mettre en place l'international il y a 4 ans, à peu près. Donc, vous voyez, en 4 ans, je pense qu'on a fait vraiment un saut de géant. On a vraiment une belle structure internationale maintenant. On a une politique de l'international du cégep. Et de plus en plus, les départements donc, du cégep et du centre d'études collégiales collaborent à cette exportation de savoir-faire ou à l'accueil d'étudiants étrangers. OK. L'arrivée de 30 étudiants de différents instituts nous permettent aussi de développer, parce que ces échanges-là sont positifs pour nous. C'est positif autant pour nous, pour accueillir des étudiants, que pour les enseignants qui ont une nouvelle approche culturelle. L'approche culturelle pédagogique, par exemple, en France, est beaucoup plus différente. C'est très magistral, oui. C'est le seigneur qui enseigne à ses élèves. Alors qu'ici, c'est une approche beaucoup plus de l'approche par compagnonnage. Et la formation est plus opérationnelle, technique, alors qu'en Europe, elle est encore plus scientifique. L'une n'est pas meilleure que l'autre, mais je trouve que les deux sont très complémentaires, en fait. Et ce que viennent chercher les étudiants étrangers, en fait. Et on envoie aussi des étudiants de chez nous. Là-bas, actuellement, on a des étudiants qui sont en France faire des stages ou qui feront des formations là-bas en France. Vous voyez, il y a toujours un partage. Et plus cette passerelle va être entre les deux pays, France, Suisse, Belgique et le Québec, le plus les échanges vont se faciliter. Maintenant, extra-formation continue. On a vu Max sur nos ondes depuis quelques semaines. Expliquez-nous, extra-formation continue, c'est quoi exactement pour les gens qui nous regardent? Extra-formation, vous savez, il y a quand même deux branches. Il y a la branche formation continue, qui est plus la formation créditée et maintenant qui est intégralement à distance, en mode hybride, d'où la nécessité de mettre en place un support numérique qui est cette mascotte 3D qu'on appelle Max. Donc, on la voit, je l'avais amenée ici dans notre dépliant et je vais vous montrer un petit peu plus. On peut la montrer. En gros plan, Max est là. Alors, le clip vidéo, je pense qu'il passe chez vous encore. Okay. Et ce n'est pas histoire de faire de la BD, c'est vraiment de montrer qu'on est aussi intégré dans le numérique, l'approche numérique. Et Max était maintenant notre conseiller expert en formation à distance. Ouais. Et comme vous avez... Ah, voilà, très bien. Bonjour, Max. En fait, son nom, c'est Maxime, mais appelez-moi Max. Et comme vous avez sur Internet chez Bell ou chez Hydro-Québec, vous avez aussi des mascottes maintenant qui répondent à la clientèle. Ça permet donc de numériser toute la formation, toute l'intégration et service à la clientèle. Et l'autre partie de notre formation est aussi service d'entreprise. Donc là, vraiment aussi, on a donc des beaux produits. Donc Madame José Gagnon va vous parler plus en détail. Par exemple, toute la partie langue, toute la partie formation de gestionnaire, toute la partie aussi intégration au service d'entreprise. Donc oui, je pense que extra formation a sa place vraiment dans la région pour soutenir les entreprises et aider l'entreprise à s'intégrer cette nouvelle version de compétitivité qui est due à l'intégration du numérique.
On va s'arrêter quelques instants. Oui. Justement, avant d'entrer dans le service aux entreprises, formation aux entreprises pour employés non qualifiés. Alors, on va parler de ça immédiatement après. Avec plaisir. Alors, on revient avec M. Christian Plusnikov, qui est directeur d'Extra Formation et du développement international du cégep de l'apocataire du Centre d'études collégiales de Montmagny. On revient dans quelques instants. Alors, je reviens avec mon invité, M. Christian Plusnikov, qui est directeur... M. Plusnikov, j'ai pas de problème avec votre nom, c'est directeur d'extra-formation et du développement international. Je veux bien dire votre titre, c'est pour ça que je me fie à mes notes. En fait, j'ai deux chapeaux maintenant, donc... les deux se complètent, en fait, vous voyez. Oui, mais c'est ça, parce que développement international, vous le disiez avant la pause, depuis 4 ans, vous travaillez beaucoup développement international. Vous êtes très impliqué personnellement dans le développement international. Ça vous amène à voyager un peu, pauvre vous. Ben, pas tant moi, mais surtout, maintenant, je pousse c'est les enseignants à faire de la mobilité enseignante et aussi mes conseillères aussi à faire de la mobilité professionnelle. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important qu'on élargisse ce nombre de personnes qui font de la mobilité pour créer de plus en plus de réseaux et de contacts et d'échanges internationaux dans le domaine de l'enseignement. D'où ma vision, moi, c'est vraiment l'internationalisation de l'éducation. On parlait de formation aux entreprises pour employés non qualifiés. Avant la pause, parce que, bon, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Oui. Il est criant. On le voit bien. On a animé un téléthon de l'emploi le 1er novembre et on a vu par l'enthousiasme des entreprises à venir parler de leur entreprise, de venir parler de leurs besoins, comment c'est important de trouver de la main-d'œuvre. Mais la main-d'œuvre qualifiée se fait de plus en plus rare. Et là, ce que j'apprends, c'est qu'on offre aux entreprises maintenant de la formation aux employés non qualifiés. Expliquez-moi, M. Plusnikov. On a eu un beau projet qu'on avait déposé au Conseil patronal de la main-d'œuvre du travail, qui est accepté, pour former les employés non qualifiés, mais au sein de l'entreprise. Donc, employés non qualifiés, c'est soit des gens qui n'ont pas pu finir leurs études, ou des gens qui viennent d'autres pays, qui ont immigré, puis qui n'ont pas les qualifications pour pouvoir avoir des postes vraiment précis dans les entreprises. Donc ce projet, c'est de former l'employé intégralement au sein de son entreprise, dans le domaine de la productivité en génie industriel, ce qui veut dire que c'est transversal, aussi bien pour les compagnies dans le domaine de la métallurgie, que le domaine du bois ouvré, que le domaine de la transformation alimentaire, pour améliorer vraiment les productivités et la compétitivité des entreprises. Donc cette formation est donnée au sein d'entreprise, est financée par le Conseil patronal de la main-d'œuvre du travail, et est coordonnée par un comité sectoriel qui est les manufacturiers et exportateurs du Québec. Et nous, on l'offre avec deux autres partenaires, parce que c'est à travers tout le réseau du Québec. On l'offre avec un partenaire qui est le collège Antique à Montréal et un autre partenaire qui est le collège Victoriaville qui se trouve dans la région du centre du Québec. Donc l'idée, c'est de donner la formation théorique par des cours de classe virtuelle et en mode hybride. L'enseignant va donner sa formation et l'employé pour aller suivre ça au sein d'entreprise en mode virtuel. Et en même temps, il va faire les travaux pratiques au sein de l'entreprise sur sa chaîne de production supervisé par un superviseur de son entreprise. Donc, il va y avoir une qualification, c'est-à-dire une AEC, un diplôme donc reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il pourra accéder à des autres fonctions de travail et l'entreprise va avoir vraiment des gens qui ont plus de compétences et vont être plus performants au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place au sein de tout le Québec à partir de septembre 2019, donc cette année. Comme on a chez nous beaucoup d'entreprises dans différents secteurs d'activité, c'est pas une barrière, ça crée pas de problème le fait qu'on soit dans différents secteurs d'activité pour former ces employés-là? Parce que c'est vraiment des formations qui travaillent sur la productivité. Donc productivité, ça peut être dans le domaine d'une chaîne alimentaire, d'une chaîne de métallurgie, d'une chaîne de bois ouvré ou dans d'autres secteurs manufacturiers. Donc c'est vraiment des compétences au niveau de la productivité qui veut s'adapter, s'intégrer au sein donc de différents secteurs d'activité des entreprises. Est-ce que ça prend des prérequis? Est-ce que la personne doit avoir un minimum de formation pour pouvoir s'inscrire à ces cours-là? Est-ce qu'il y a des exigences? Il va y avoir quand même des connaissances de base à avoir, ne serait-ce qu'au niveau, j'aurais connaissances de mathématiques, physique, mais on peut aussi mettre à niveau les gens avant, donc de façon à ce qu'ils puissent accéder à cette formation. C'est un programme d'une AEC, en fait, un programme d'AEC qu'on a décortiqué et qu'on offre au sein d'entreprises, à distance, dans les entreprises. Ce que je comprends, M. Plusnikov, c'est que vous devez maintenant vous adapter aux besoins. Chaque jour suffit sa peine, c'est un peu comme ça. C'est que maintenant, il faut s'adapter aux besoins des entreprises et répondre à leurs besoins.
comme là, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans différents secteurs d'activité. Alors, vous répondez en offrant une formation. Moi, je trouve ça vraiment... On s'intègre à l'entreprise, mais non, on anticipe les besoins avec... Vous avez vu le plan numérique du gouvernement à l'époque de M. Couillard. Donc, c'est-à-dire s'intégrer à l'entreprise dans ce virage numérique 4.0. Et même, on va aller maintenant vers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, il faut que les gens aient des compétences dans ces domaines de productivité, domaines du numérique. Et c'est là que les maisons d'enseignement comme la nôtre vont pouvoir les aider à s'intégrer, puis à rester en vie et à être compétitifs. L'idée n'est pas de donner de la formation pour de la formation, mais les aider à faire ce virage du numérique 4.0. Une entreprise qui a des besoins particuliers, vous pouvez offrir une formation à ces... Tout est possible maintenant. Pour solliciter une clientèle spéciale avec ou spécialisée? Toutes les formations qu'on offre et avec tout le système qu'on a de formation à distance ou de formation en entreprise, tout est possible. Tout ce qu'il faut, c'est que l'entreprise soit informée de ce qui se passe aussi. Souvent, l'entreprise sont... Premier objectif, c'est de répondre au contrat et de pouvoir répondre au domaine de ses clients. Et il va devoir embaucher, il va embaucher des gens parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais les gens n'ont pas les compétences. Donc il faut qu'ils prennent le temps de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on offre nous en formation pour l'aider en être meilleur et plus compétitif. Et de là, on va venir travailler avec eux pour les aider à sortir donc, de cette pénurie de main-d'œuvre et cette pénurie de compétences. Monsieur Plouzica, c'est déjà terminé. Ah, c'est un plaisir, oui. Mais je devrais vous dire qu'on est bien fiers de notre cégep et de notre centre d'études collégiales. On est fiers du développement que notre cégep, que notre institution fait au fil des ans. Puis on s'adapte aux besoins. Puis on est bien fiers de voir où on est rendu après 50 ans à La Pocatière et 25 ans à Montmagny. On est bien fiers de voir nos institutions là où elles sont rendues. Je pense qu'on peut tous être fiers. Puis le message que je lancerai à la population entreprise, c'est que informez-vous de tout ce qu'on peut faire pour l'entreprise. Parce que souvent, c'est une méconnaissance des services qu'on peut apporter à l'entreprise. Et bien sûr, à la population aussi. Les gens sont souvent dans un tourbillon et on ne prend pas le temps de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut offrir à nos maisons d'enseignement. Maisons d'enseignement, ce n'est plus une maison d'enseignement seulement, c'est aussi un support pour la population et un service d'entreprise en premier. On participe aussi à l'économie régionale, je pense. Merci beaucoup. Donc, on peut contacter le Centre d'études collégiales ou le cégep de La Pocatière. Oui, ou le site Internet, donc formationestra.com. Tout est cité là. Puis, vous avez un numéro 1-800 lequel ils peuvent contacter. Monsieur Christian Plouznikov, directeur d'Extra Formation du Développement International, merci d'avoir été avec nous. Et merci, Michel. Bon succès et surtout, bon anniversaire. Puis, une belle année pour vous aussi, 2019. Oui, merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète.